بعد أدائك المميز خلال الفترة الأخيرة، ما هي حظوظك كحارس أساسي في المنتخب الجزائري؟ أم ترى أن وجود رايس ملحي سيصعب مهمة تواجدك مع المنتخب كحارس أساسي؟ Oh, ça, je sais pas, je vais pas m'avancer. Vous savez, ça fait 10 ans que je joue en Algérie et sans prétention, j'ai toujours été bon, j'ai gagné beaucoup de titres, j'ai gagné une Ligue des Champions sans qu'on me fasse confiance une fois en équipe nationale. Après, voilà, c'est pas un appel que je vais faire au sélectionneur Belmadi, il a ses raisons, il a ses gardiens, il a tout. Voilà, je pense que je l'ai mérité il y a quelques années, je l'ai mérité l'année passée, je l'ai mérité, voilà, mais bon, dans le football, mériter, ça ne veut pas dire grand-chose pour tout le monde. Donc voilà, maintenant j'attends. Si je dois être appelé, je serai appelé. Mais sinon, je ne vais pas commencer à partir dans des croisades qui servent à rien de toute façon. Donc bien sûr, ça reste toujours dans un coin de ma tête. Mais bon, voilà. Je n'y pense pas trop. Là, pour l'instant, c'est vraiment, pour moi, mon équipe nationale, c'est l'entente de cette équipe. هل كانت هناك مشاكل بينك وبين جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري؟ Ah non, non, oh, non, 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 pas du tout, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, je suis un mec de Marseille à la base, lui a joué à Marseille, je l'ai applaudi quand j'étais jeune, donc non, il n'y aura jamais de problème avec le Belmadi. Après, moi, j'ai toujours accepté ses choix, je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Après, voilà, c'est le football, c'est comme ça. Vous savez, on peut pas être dans la tête d'un sélectionneur ou imposer quelqu'un. Moi, de toute façon, je ne l'accepterai pas, donc non, non, moi, aucun problème avec le staff de la Fédération algérienne de football, bien au contraire.